C'est la première fois dans l'histoire que les citoyens pensent qu'il n'est pas copromoteur de son propre avenir. C'est comme une faille qui s'est ouverte dans la façon citoyenne de voir la prise de décision qui les concerne. On est tous impliqués dans l'avenir d'une bâtisse comme celle-là. Ceux qui sont locales et un petit peu moins locales. Moi, je viens du plateau, fait que je me suis déplacé pour venir ici, mais je me sens super concerné. Ah, mais j'ai pas fait de réflexion sur... Honnêtement, j'ai pas fait de réflexion sur... OK, si on me demandait à moi maintenant d'en prendre une part, quelle part je serais prêt à jouer? Est-ce que d'être membre? Est-ce que demain matin... Oui, là, je signerais. Si on me demandait là de signer... C'est vrai, ce que tu arrives au niveau du financement, des structures, des gouvernances, c'est... Il y a tellement de possibles qu'il faut juste être sûr de l'intention. Puis ça, c'est peut-être le deuxième enseignement qui de la semaine, c'est... à préciser l'intention profonde du projet Saint-Marc. Et de cette intention-là, à ce moment-là, on va trouver les modèles. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du financement de projets, d'envergure, puis de petits projets. Mm-hmm. Et puis, on a commencé à regarder ce matin des fonds dont on n'entend pas beaucoup parler, mm-hmm. de financement. Il y en a deux grands niveaux de présentement. Ce qui se passe, c'est un niveau qu'on appelle l'émergence des communs, puis l'autre qui est vraiment le socio-financement. Les deux seront des liens, on dépasserait, ils ont des fondations qui peuvent être faites, un ensemble de choses. Donc, il y a ces modèles-là qui existent. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que le bien sorte du marché. On lui donne une vocation, puis cette vocation-là ne peut pas être modifiée. Perpétuelle, ou encore là, d'autres formes intermédiaires. J'ai l'impression que ça va marcher. J'ai l'impression que l'énergie était bonne. Il y avait des bonnes idées. Il y a beaucoup de belles volontés, de bonnes volontés aussi. Puis de l'argent. C'est trop. Je suis sûr que ça se trompe. Il faut commencer par y croire. Moi, je me suis dit, enfin, il y a quelque chose qui existe pour essayer de réfléchir et trouver une solution à ce problème qui est assez généralisé là, au Québec. Là. Moi, je trouvais ça très sympathique, le concept de porte ouverte. Là. La représentativité des citoyens, c'est toujours une difficulté immense, mais à un moment donné, si tu pars du principe que les gens qui s'intéressent à cette question-là, c'est les bonnes personnes. La mobilisation citoyenne est au niveau des idées. C'est ça qu'on voulait. Alors, nous, c'est pas de mousser la mobilisation citoyenne pour en arriver à se tenir ensemble debout et dire « on sauve l'Église ». C'est comment on sauve l'Église. Alors, les gens arrivent méfiants, ça marchera pas. Mais, donc, il faut travailler avec quelque chose comme « oui, on peut travailler ensemble, puis se faire confiance, puis régler nos problèmes ». Que le bien commun soit la salle multifonctionnelle. Le bien commun n'est pas obligé d'être la prise en charge. Du site au complet, parce que là, c'est épeurant. Puis là, c'est... Le reste du site, il est là à ce moment-là. Alors, si on prend seulement une partie en charge, le reste du site, il a besoin d'être chauffé, il a besoin de... C'est ça, la beauté de pouvoir, d'avoir le luxe, dans le fond, d'avoir des partenaires qui sont des organismes bien établis, qui ont accès à des sources de financement, qui ont potentiellement de l'argent à investir. La gouvernance découle du mode de tenure une fois que tu as l'argent pour acheter. Si on veut mettre ça dans l'ordre, là, on ne va pas parler de qui répare quoi avant qu'on sache d'où vient l'argent et quel est le mode de tenue privilégié. J'ai déjà été intéressé par les projets de type citoyen. J'ai déjà participé même. Des fois, ça n'a pas toujours tourné comme je l'aurais voulu. Mm-hmm. Sauf que la première réunion à laquelle je suis venu lundi, ça m'a inspiré beaucoup parce que j'ai trouvé des gens très compétents. Puis ça m'a... je me suis dit, bon... Ouais, ça me tente de piger du temps. Quel genre d'investissement, tu sais, c'est en co-design, là, dans les processus de réidentification, puis qu'on choisit c'est quoi la vocation de l'espace, bien, l'opportunité est trop grande, comme la concertation de plusieurs voix que je trouve intéressante, puis j'ai l'impression que la vocation est réellement bénéfique pour la localité. Je trouve que c'est une belle opportunité d'implication à un niveau local, à un niveau... Ouais. Il faudrait que dans ce financement-là, on dise, bon, ben voilà, la part du rêve. On garde un pourcentage pour la part du rêve.